Ouais. C'est turc, ça, non? Ouais. Ouais, je m'en doutais, parce que vous avez souvent le même prénom, là, Mehmet. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Vous êtes beaucoup, vous êtes une grosse communauté en France, hein? On est pas mal en France, oui, mais on est plutôt beaucoup. On est 5 millions en Allemagne. Ouais, en Allemagne, ouais. Ah, je dis ça parce que vous êtes souvent connu par vos restaurants, là, grec, turc. Ouais. Il y en a beaucoup en France. Ouais, il y en a beaucoup, c'est vrai. Bah, moi, je travaille dans un grec. Si vous voulez, je vous invite. Non, monsieur. Moi, je suis sérieux, monsieur, je vous invite. Ouais, je vous remercie, mais moi, je mange pas dans les grecs. Pourquoi? Parce que faut pas mal le prendre, hein, mais niveau hygiène, vous êtes pas les meilleurs. Non, faut pas généraliser, monsieur. Ouais, faut le dire ce qu'il est. Tout ce qui est viande, on sait pas d'où elle vient. Pas de gants, pas de calot sur la tête. Non, on a nos boucheries, sont propres, il faut pas. Ah, ça c'est vous qui le dites, hein. Moi je sais pas, j'ai déjà mis les pieds, je l'ai vu. Hein. Moi mes enfants ils mangent pas là-dedans non plus. Hein. Non, c'est vrai. Monsieur, vous êtes français? Ouais, bien sûr, je suis pur breton. C'est quoi la spécialité des Français, monsieur? Ah, vous savez, ici il y en a beaucoup. Hein. Il y a quoi? Il y a les crêpes, galettes en Bretagne. Ouais. Le vin, le fromage. Ouais. Il y a aussi une grosse spécialité là, le parfum, c'est de chez nous, ça, c'est une création de chez nous. Le parfum, il a été créé pourquoi? Ah ça, je sais pas, je connais pas l'histoire de chaque produit, monsieur. Vous connaissez pas votre propre histoire? Moi, je la connais, monsieur. Le parfum, il a été créé par les Français parce qu'à l'époque, les Français, ils se lavaient une fois dans l'année. Comment vous pouvez le dire ça? Vous y avez pas vécu à cette époque? Donc les Français, ils avaient pas de toilettes, ils faisaient leurs besoins dans des tissus, ils les jetaient par la fenêtre. Tout Paris, ça puait la merde. Les Français, ils sentaient la merde. Les Français sentaient la merde. C'est pour ça qu'ils ont créé le parfum, l'eau de toilette, pour camoufler cette merde, au lieu de se laver. Et à la même période, en 1600, l'Empire Ottoman, ils avaient déjà des toilettes. L'Empire Ottoman, là-haut, moi, j'en ai rien à faire. L'Empire Ottoman, ils avaient déjà des toilettes, d'accord? Donc, et l'Europe, ils connaissaient pas les toilettes. On n'est pas là pour parler de l'histoire de chaque pays. Oui, mais c'est vous. Vous me dites les Turcs, ils sont pas hygiéniques. Moi, je vous dis, les Français, ils sont pas hygiéniques. Vous parlez aux forces de l'ordre, quand même, monsieur. Au jour d'aujourd'hui, nous, on se lave avec de l'eau quand on a fait notre besoin. Vous, c'est avec du PQ. Si vous avez une rupture de PQ, vous tournez au Moyen-Âge. Il y a quoi, monsieur? J'ai raconté ça au commissariat. Pourquoi je raconte ça? Pourquoi on fait ça? Je vous filme, mais. Espèce de connard, la filme pas.